Salut, c'est Stan, je suis photographe-auteur et je partage avec toi mes sources d'émotion, d'inspiration et quelques moments de vie. Et justement, là, tu vois, on est dans un très bel endroit, donc c'est un très beau partage que je veux faire avec toi aujourd'hui. Et ça me permet de te poser une question très simple. Est-ce que tu es plutôt blasé ou est-ce que tu es plutôt béat? Hein? Alors évidemment, c'est les deux extrêmes que je prends volontairement. J'espère bien que tu es ni l'un ni l'autre, ou plutôt et l'un et l'autre. En tout cas, un petit peu des deux. Hein? Pas tomber dans le stéréotype, pas tomber dans l'extrême absolu. Mais c'est vrai que souvent, on catégorise un peu les choses, notamment en France, et on se dit qu'il faut être soit absolument revenu de tout pour pouvoir juger les choses, pour pouvoir juger les gens, pour pouvoir avoir l'air bien, donc avoir l'air un peu blasé. On se le dit pas comme ça, mais c'est quand même ce qu'on pratique. Et puis, souvent, tu as l'excès inverse, entre guillemets, où tu as des gens qui veulent vivre leur vie, être en harmonie avec eux-mêmes, et j'en fais partie. Et du coup, eux, on peut les accuser un peu d'être béats, d'être un peu les ravis. Alors moi j'estime ne pas faire partie de cette catégorie pour autant, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas non plus obligé de voir la vie en rose éternellement, d'être complètement dans le positivisme absolu, etc. C'est vrai qu'il y a une école du positif, c'est bien de voir la vie en positif, hein, bien sûr, c'est ce qu'il faut, majoritairement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rejeter toutes ces émotions parfois négatives, parce qu'elles veulent dire aussi quelque chose. Hein. Donc c'est important de s'écouter soi-même aussi de ce côté-là. Alors voilà, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, du coup, bah, évidemment, il faut essayer de viser l'équilibre et d'être un petit peu au milieu de tout ça, c'est-à-dire de voir la vie du mieux qu'on peut dans l'aspect positif, parce que ça change quand même beaucoup de choses, hein, mais pas non plus être complètement dans le déni, parce que si on est là avec des lunettes tellement roses qu'on tombe dans le déni, ça va pas. Et bien moi, tu vois, c'est exactement ce que je veux vivre déjà moi-même, mais aussi montrer dans ma photographie. C'est-à-dire avoir un regard positif et un petit peu poétique, hein, c'est ça l'idée quand même de la photographie d'art, mais c'est aussi de montrer la réalité telle qu'elle est. C'est pour ça que j'ai pu être amené à photographier des scènes parfois un petit peu sociales, des scènes de migrants notamment, pas uniquement d'ailleurs, hein, bien d'autres scènes, des scènes parfois un peu dures, et puis aussi des scènes très joyeuses, des scènes très positives qui font aller de l'avant. Tout ça, c'est la réalité de nos vies, et c'est pour ça que je veux montrer tout ça ensemble et montrer que c'est ça nos vies, et que c'est pas seulement une chose ou l'autre, mais que tout ça, bah, ça participe de nos vies. Voilà, c'est le regard que je veux poser sur le monde, et c'est le regard du monde tel qu'il est aussi que je veux montrer. Voilà, dis-moi si tout ça te parle. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, hein, il n'y a aucun problème. Au contraire, je serais très heureux de lire tes commentaires, c'est ce que je souhaite le plus sous cette vidéo. N'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, voir cette vidéo, la liker et t'abonner à ma chaîne si tu veux pouvoir recevoir mes vidéos très régulièrement. Je te dis à très bientôt et ciao, j'espère que tu vas très bien.